je m'appelle Patrice Bouchenoir, j'ai 48 ans et ça fait 30 ans cette année que j'ai une licence pour faire du sport mécanique. Deux fois champion d'Ouest. Donc là, j'ai mon titre. Cette année, je ne pourrais pas le défendre puisque je commence juste cette année la compétition. Et sinon, j'ai des victoires en karting, étant plus jeune, au 6 heures du Mans, international. Et puis pas mal de victoires à droite à gauche au niveau national. Quoi. J'ai commencé d'abord par le karting à 18 ans. Parce qu'à côté de chez moi, il y avait une piste. Et puis, quand j'étais tout petit, j'allais les voir avec mon vélo. Et ça me plaisait, le sport mécanique. Et j'ai commencé par faire du kart à l'âge de 18 ans. J'en ai fait 14 ans. Et après, j'ai connu d'autres gens qui faisaient de la voiture. Donc j'ai commencé en Ufolep, en Vendée, avec Franck Chauvet, qui s'occupe de la Vendée en Ufolep, toujours d'ailleurs. J'en ai fait 3-4 ans. Et ensuite, je suis passé en fédération pour faire l'autocross. C'est la compétition, c'est la vitesse, le sport mécanique. Moi, à partir du moment où il y a un moteur, je suis très intéressé. Donc, que ce soit sur deux roues, quatre roues, mais ouais, j'aime bien le sport mécanique en général. C'est une voiture qui est assez... Qui est pas très courante, hein, parce qu'en fait, les autres concurrents ont beaucoup de voitures, je dirais, actuelles, 206, Clio, chose. Et moi, j'ai une Baguera, une Matra Simca Baguera de 79. Mais enfin, en fait, c'est que la coque, hein, c'est juste un habillage, parce que dessous, c'est que des tubes comme un buggy, comme un... Hein, donc voilà, ça, elle a été construite il y a 10 ans, et c'est sa dernière année. Là, elle est sur sa fin de vie, là. Elle est à vendre d'ailleurs, mais bon, pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'acheteurs, mais bon. C'est un châssis tubulaire hein, en deux roues motrices avec un moteur de 2000 cm3 et une boîte fabriquée par une entreprise vendéenne d'ailleurs. Ça ressemble un petit peu, mais bon, il y a comme c'est en propulsion, parce que moi c'est mes roues arrière qui motrice, donc c'est plus de glisse, plus de il y a de la glisse, pas comme sur la route, quoi. C'est avant, moi par rapport au karting, il fallait pas glisser, justement, c'était une autre école de pilotage, quoi. Là, c'est de la terre, donc c'est de la glisse. Les manches sont qualificatives, donc. Et puis moi, c'est pas mon tempérament, même quand je suis devant, il faut quand même que ça aille à fond pour ne pas me déconcentrer et puis rester dans le rythme. Quoi. Donc non, moi, c'est tout le temps à fond. C'est surtout gérer, je dirais, l'état du terrain. Parce que comme c'est sur la terre, on a quelquefois des arrosages plus ou moins heureux, on va dire, et quelquefois c'est boueux, donc il faut plus gérer ça, je dirais. Après le reste, la pression, tout ça, bon, il y en a toujours un petit peu, c'est normal, mais depuis 30 ans, je dirais, maintenant ça coule mieux. Je dirais c'est presque là les conditions idéales. Bon, dommage, il pluviote un petit peu, mais pas très chaud, pas d'eau, et puis voilà. Quoi. Il y a une piste comme ici, qui c'est un vrai billard. Quoi. Ils ont vraiment fait un travail extraordinaire. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de trous, il n'y a pas de boue, il n'y a pas de poussière, donc c'est vraiment l'idéal. Quoi. Il faut de la chance aussi, il faut évidemment une bonne mécanique, un bon moteur, une bonne boîte, un bon châssis.
faut un pilote qui se débrouille à peu près, et puis aussi de la chance, hein, parce que c'est une compétition, à, on part à 15, donc bon... C'est pas très très physique, non. Non, parce qu'on a quand même des directions démultipliées, on a quand même... des choses, non c'est pas physiquement, c'est pas bon, c'est quand même, on a bien chaud quand on rentre, mais bon, ça va quoi, c'est largement, cette tour c'est largement faisable quoi. Je pense qu'il faut être calme, il faut être réfléchi, et puis bah après je suis pas sûr qu'il y ait vraiment de secret quoi. Je pense qu'il faut avoir la petite chose, on l'a pas quoi, voilà, sens de la trajectoire ou je sais pas, mais moi j'ai rien fait de spécial pour faire ça quoi, c'est déjà une envie, et puis après il faut surtout être calme. Avec celle-ci, non, avant j'ai fait un toit, enfin un tonneau, mais on n'a pas le temps d'avoir peur, quoi. Et si j'avais peur, je ferais pas. Bah, il faut quand même pas être inconscient, mais j'ai pas peur, non. Et le jour où je me poserai la question, je pense que je m'arrêterai. D'être butoir, j'ai mon fils qui a 11 ans qui lui, si tout va bien, devrait commencer dans 3 ans avec les petits sprint cars, mais donc là bon, il y aura peut-être un choix, je sais pas, mais il y aura peut-être quelque chose à faire, je sais pas. Pour l'instant on va essayer cette année, bon bah là le titre malheureusement c'est perdu pour cette année je pense, donc on va essayer de le gagner l'année prochaine et puis on verra quoi.